Donc bonjour, monsieur Copin, donc professeur en menuiserie bois. Donc j'interviens ici depuis 18 ans au sein de l'établissement dans la formation du bac pro technicien menuisier agenceur. Alors ce qui m'attire dans les métiers du bois, c'est parce que j'avais envie d'apprendre ce métier car mon père est aussi menuisier et c'est une passion familiale en fait. Bah, pour la facilité d'apprendre, je venais d'une seconde générale, donc pour moi je voulais un peu plus de manuel. J'ai fait un stage chez un artisan, ça m'a plu et j'ai voulu partir en apprentissage chez lui. Donc c'est un diplôme qui se prépare en 3 ans, une seconde, une première et une terminale, sous 2 formes, soit par la voie de l'apprentissage, soit par la voie sous statut scolaire. Durant ces 3 années de formation, les élèves sont menés à faire 22 semaines en période de formation en entreprise, avec des entreprises qui nous sont partenaires depuis plusieurs années dans le secteur du Montreloys et du Boulonnais. Je l'envisage en BTS, en 2 ans après le bac, donc un bac plus 2. Bah là, je voudrais terminer cette année au lycée Jules Verne pour ensuite partir en BTS. Parce que les ateliers sont confortables, si je peux dire comme ça, puisque les machines sont vraiment bien et sécurisées et les profs nous expliquent bien, prennent du temps avec nous pour bien nous expliquer, pour nous mettre en confiance et pour qu'on apprenne. Alors, le lycée Jules Verne a une capacité d'accueillir des élèves soit sous statut scolaire, soit par la voie de l'apprentissage. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans son cursus, l'élève peut démarrer sa formation sous statut scolaire et peut la terminer par la voie de l'apprentissage avec un employeur. Au plaisir de vous revoir dans notre atelier.